tout à l'heure, c'est une circonscription qui a été créée par Pasqua pour que cette circonscription reste au service de la droite, mais également ne permette pas de prendre en considération les particularités du territoire. Voilà. Donc, ça fait plusieurs années qu'Achebaï aujourd'hui est la première force dans le territoire, en tout cas dans une partie du territoire. Donc, nous avons pris une décision responsable qui était celle d'intégrer le nouveau Front populaire, parce qu'il nous semblait que le changement à l'échelle du territoire doit se réaliser à partir des mouvements et des associations qui travaillent au quotidien, qui labourent le terrain au quotidien et qui font qu'aujourd'hui il y a des alternatives qui se construisent au système libéral et également à la dérive illibérale de l'extrême droite. Donc c'est aussi la victoire de ces mouvements populaires, parce qu'il faut savoir que le changement ne viendra pas seulement à partir des urnes, il viendra surtout de la rue. Sans le travail dans la rue, sans le travail du mouvement populaire et des associations, il n'y aura pas de transformation possible. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, aujourd'hui, on a une victoire, ici dans la circonscription, mais il y en a d'autres qui se présentent à nous. Comme l'a dit tout à l'heure Iñaki, l'après se joue maintenant, ça commence maintenant. Il y aura des échéances municipales, il y aura des échéances à l'échelle du département, et ces échéances, il faudra les construire ensemble. Ensemble, sans des logiques dogmatiques d'exclusion. Des logiques d'exclusion que nous, on a subies, notamment lors des élections départementales, parce qu'une partie de la gauche, il faut le reconnaître, avait fait le pari de la droite face à des candidats de la gauche abertzale. Donc voilà, l'heure est venue de dépasser cette logique-là et de construire l'avenir ensemble, en prenant en considération les spécificités de nos territoires, culturels, linguistiques, parce que le changement, on va le construire ensemble. Donc Soliona Kinyaki.